Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Anime Defender. Aujourd'hui on va aller obtenir mon tout premier Mythical sur le jeu. J'en ai toujours pas et j'ai 13 000 gemmes. Il va être l'heure d'obtenir mon premier Mythical. Et pour ça, Shinso les gars, il m'a conseillé d'open à cette bannière. Parce qu'il y a du coup actuellement Garp, mais on va pas faire n'importe quoi les choses. On va pas faire n'importe quoi, on va faire les choses bien les gars. Déjà, Shiny Hunter, ça les gars. Eh ben ouais, on a un petit réchou les gars. Ça l'achète directement. Hop là, comme ça, on a les taux de Shiny, je sais pas trop quoi. Et on va acheter surtout une potion qui va nous donner plus 3 ou x3 luck, hop là, on achète. Du coup, peut-être qu'on aura la chance d'avoir instant Garp et c'est bon. On a effectivement la potion qu'a acheté. Il va être l'heure de faire. C'est ma toute première open du jeu à 10, les gars. Ok, Baggy le clown, Ichigo, Naruto, Baggy, Ichigo. Ouais, ouais, wow, le x3. Ah, c'est bon, on a enfin eu un épique. x3 luck en question. Ok, c'est pas grave. On repart. Nouvelle open. Ok, là, c'est épique. En fait, je pense que du coup, là, le plus gros que j'ai dans cette open, c'est épique vu que l'étoile était épique au maximum. Ok, bon, pour le moment, pas de shiny. Justement, le but, c'est d'avoir des shiny. Ça, c'est tradable. Ok, oh, je l'ai eu en shiny, les gars. Oh, encore. Hein? Attends, mais je le skip. Attends, à moins que je suis complètement fou. Attends, je suis complètement fou ou pas, les gars? J'ai l'impression d'être totalement fou. Ah ouais, je suis totalement fou. En fait, c'est juste quand il s'affichait rapidement, il faisait un petit peu blanc le skin. Du coup, j'avais l'impression de l'avoir en shiny. Très bien, c'est parti. Ça repart. Nouvelle open. C'est parti. Oh, du jaune. Oui, c'est du jaune. Effectivement. Ok, j'ai l'impression que les rares sont à la toute fin, les gars. Et là. Ok, rien. Et là, épique. Ok, shiny. Et là, légendaire. En shiny. Ok, non. Ok, c'est Kizaru, mais pas en shiny, malheureusement. Allez, ça repart. Nouvelle open. Épique. Bon, ça m'intéresse plus trop les épiques, par contre. Et on peut open trop vite. Oh, j'ai eu Baggy shiny, les gars. Et du coup, on a re-eu aussi le perso qu'on voulait de base en shiny, encore une fois. Ok, c'est légendaire. Est-ce qu'on a le droit à notre légendaire shiny? Non. Ah, décidément pas de shiny. Attendez, du coup, si je l'équipe en first unit, qu'est-ce que ça donne là? Ok, là il est en shiny. Et là, est-ce que j'ai un cosmétique? Comment on voit les cosmétiques? Ah bah, il est pas équipé en premier. Ok, c'est peut-être pour ça que je vois pas son cosmétique. Du coup, une équipe. Ah, mais attends, mais ça passe Bulma en première là. Attends, non, je veux pas Bulma. Là, bam, équipé. Ah, ok, faut peut-être que je clique dessus. Ah, oui, c'est bon. Voilà, ok, j'ai bel et bien son cosmétique, les gars. Ok, fait que je clique sur le petit logo en haut. Et là, par exemple, toi, t'as un petit logo. Ok. Stylé, j'étais même pas au courant. On a Baggy, mais les basiques, ils ont des. Ah non, ils ont pas grand chose. Lui, du coup, en shiny, incroyable. Bingeress. Et là, Baggy le clown. Ouais, non, c'est bon, je... Ok, vas-y, on va faire les open en full clownax, les gars. C'est parti, ça repart. Bon, je sais pas trop qu'est-ce que ça donne sur la pitié pour le moment. Et. Rien du tout. Ok, pas d'épique. Par contre, les gars, il y a Chichi qui vient de me dire que j'ai épée et vêtements à équiper. Du coup, attendez, faut que je retourne. Et là, par exemple, j'ai épée et vêtements. Ah, ok, non, faut que je sélectionne soit l'un, soit l'autre. Épée, par exemple. Ah, là, on a que son épée. Et du coup, le vêtement, c'est les deux. Ok, effectivement, c'est les deux. Et là, par exemple, pour Zoro, les gars, je peux équiper que épée. Du coup, j'ai effectivement que les TTK. Ok, c'est stylé. Et bref, un peu plus de sérieux. Ça repart open. Oh, du jaune. Oui. Il me le faut en shiny, là. Je l'ai pas eu en shiny, lui. Avec Kizaru, c'est shiny. Non, c'est pas shiny, ok. En vrai, imaginez que j'ai Garp en shiny. Ce serait trop stylé, les gars. Un petit Garp là en full shiny. J'aurais full luck. Et rien du tout. Ok, ça repart. OMG. Non, c'est épique. En vrai, là, maintenant, les gars, je full skip les épiques. C'est bon, là. On connaît. On a 123. Ah oui, non, mais attendez, c'est même pas sûr qu'on a Garp en fait. Oh, légendaire, ça repart. Let's go. Nouveau tour des légendaires. Est-ce que on a le droit au shine? Non, toujours pas. Attends, c'était rose. Là, c'est le mythique, les gars. Attends, je crois bien qu'on a le mythique là sur cet open. Je crois bien que c'est maintenant, les gars. Sinon, et là, Garp. Ok, on a effectivement Garp, les gars. F! Non, abuse! On l'a pas eu en shiny! La luck! Non, vrai, ok, je suis content. On a réussi à avoir Garp quand même assez rapidement. J'ai eu un petit coup de pression en me disant ah, mais en fait, on va peut-être pas l'avoir de la vidéo complète, mais ça va. On a quand même réussi à l'avoir. On a bel et bien Garp, du coup, juste derrière moi. Et vu qu'on l'a pas en shiny, les gars, on a rien à équiper en esthétique. Enfin, une petite autre open. Voir si on peut avoir. Ça se trouve, là, on va avoir Garp, les gars. Oh, deuxième épique. Attendez, oh, si je l'ai en shiny, c'est vraiment la luck est full avec moi, les gars. Attendez, OMG, et là, shiny. Ok, non, je l'ai pas eu en shiny. Par contre, je l'ai eu deux fois à la suite. une dernière, encore. Là, si c'est pas shiny, ok, c'est épique. Ah, imaginez, les gars, un troisième Garp à la suite, ça serait été peut-être un peu abusé. Mais du coup, oh non, j'ai misclick, les gars. J'ai appuyé, oh, peut-être le légendaire shiny. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est aujourd'hui? C'était la fameuse open, mais non. Alors, attendez, lequel est déjà le plus intéressant en termes de stats? ECS, FDA. Effectivement, c'est lui, du coup, le plus
plus intéressant. Donc lui, on le déséquipe et lui, du coup, on l'équipe. Et là, moi, est-ce que je peux faire des rerolls sur eux, les gars? Il faut que je clique sur où. Ok, confirmé. Et là, il en faut 4. Ok, reroll. Swindon Man. Ok, c'est quoi ça? C'est Reduce Cooldown. Ça peut être bien, mais en vrai, je vais refaire un autre reroll. Critical 2. Le critical là. Attends, c'est quoi? C'était quoi le plus rare? Ça, 7%. Et là, ok, on a eu plus de chance. 25% de crit. Ok, c'est pas si mal que ça. Et là, du coup, on a eu des bonnes stats. Mais ça, je sais pas trop. C'est du coup, j'ai un petit carré, les gars. Je sais pas trop si ça reroll aléatoire toutes mes stats. Et est-ce que je peux obtenir mieux ou est-ce que faut que j'évite? Ok, je me suis retourné. Chichi m'a dit non, évite. Très bien. On va pas y faire. Bon, on va rééquiper ma petite team, les gars. Et c'est parti en infini pour du coup tester notre petit gars. Ok, arrivé en infini. C'est parti, les gars. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, déjà, on a très peu de son, on a très peu de pas mal de choses, les gars. Tous mes settings sont au minimum skill. Ok, voilà, comme ça, on va pouvoir un peu voir les compétences, voir un peu ce que ça donne. Ouais, effectivement, les compétences sont allumées. On est prêt, les gars, on va pouvoir absolument tout voir et on va pouvoir poser le garde qui est juste ici. Ok, bon, il est niveau 3, du coup, je t'ai donné un petit peu de la bouffe, les gars. J'avais quelques petites brochettes de viande à lui donner. Et là, parfait, ça kill d'autres. Et là, c'est parti, garde. Garp OMG. Oh, un bonnet de canon. Oui, effectivement, c'est bel et bien Garp, les gars. C'est bel et bien lui. Donc là, on est sur un 200 de damage. Bon, Mihawk, forcément, il en fait plus. Il est niveau 60, les gars. Mais ok, petit boulet de canon qui part. Pour vous dire, d'ailleurs, les gars, il a une évolution. Normalement, je pense que c'est le truc de marine, le chapeau de marine qu'il faut pour faire son évolution. Et je sais pas si Chichi l'a évo, les gars. Mais en tout cas, Chichi, lui, dès qu'il le pose, il fait 2K damage. Autant vous dire qu'il est plutôt fort. Il fait littéralement plus que 10 fois les damages que je fais moi. Donc ouais, il y a une légère différence. C'est parti. Prochain upgrade, boum. D'ailleurs, les gars, on va refaire des open après, hein. Donc restez, continuez à essayer. On va dépenser mes 5000 derniers gemmes à la prochaine banner. Donc ok, des damages en plus, la nouvelle compétence OMG. OMG, le plusieurs canons, let's go. Allez, on continue les améliorations. Du coup là, il a 800 de damage avec tous les boulets de canon là, toutes les 7.7. Par contre, c'est ce que j'ai remarqué sur le jeu, c'est le temps avant de les attaques. Je trouve que c'est quand même très très long. Là, boum, vraiment à AA, on est souvent des persos genre à 4 secondes au début du jeu. Vraiment, je sais pas, genre Arima, je me souviens, il retapait quand même assez rapidement. Du coup là, 1100 de damage. Oh, nouvelle compétence. J'aime trop Amiral Strike. Ok, c'est parti. Ah, c'est parti. Vas-y. Qu'est-ce qu'il a fait, mon bro? Oh, on va mettre 2 swords. Ok, incroyable. Vas-y, balance ton strike. Attends, j'ai pas eu le temps de voir la compétence. Wesh, Alvida, c'est un mon bro. Attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Ok, et là, vas-y, refais ton strike. Chef, le strike. Ok, juste il balance la balle beaucoup trop vite, j'ai même pas le temps de la voir. Ensuite, 5500, hop là, on rame là. Oh, colossale détonation. Oh, j'ai trop envie de voir. Ok, c'est parti. Nouvelle compétence, du coup, on peut améliorer. Et là, ok, il repart en cercle là-haut. Vas-y, fais-moi rêver. Le garpounet, vas-y. Balance tes. Je sais plus quoi, c'est colossale détonation. Oh, oui. Boum, sou. Let's go, Garp. Incroyable la compétence. Et après, j'imagine, celle-là, ça va être la dernière. Hein. Oh, il y en a encore une autre. Monumentale destruction. Bah attends, mais c'est trop dinguerie le perso. Attends, mais il a trop de compétences. Il a des compétences toutes les deux améliorations. C'est trop bien. Et là, oh, j'aime trop. Wesh. Oh, c'est un crit. Ah oui, j'ai fait un crit à 3900, les gars. Je l'ai vu. Ça fait 1.5 de multiplicateur. Du coup, les crits, j'imagine. Il manque, c'est que le crit que je venais de taper. Allez, on a presque l'argent suffisant, les gars. Il manque plus que 400$. Peut-être sur ce boulet de canon. Oh, oui, on a l'argent. Ok, ça améliore la nouvelle compétence, du coup. On va pas avoir. Mais attends, mais j'ai encore des améliorations. Il a 10K la prochaine. Et là, c'est parti. Giga cercle AOE. Et là, oh, c'est une encre. Ok, incroyable. Vraiment, banger là. Par contre, il a 12K PV. Lui, là, le bougre, il vit plus que très, très bien. Ouais, qu'est-ce que je peux faire? Bah, mis à part attendre. Ouais, il va falloir que j'attende pour améliorer la prochaine compétence. Et je pense que cette fois-ci, c'est la dernière. Par contre, 11 secondes avant de pouvoir attaquer. Hein. Il met du temps, il s'est désiré. Oh, attendez, là, il va tous les one-shot. Là, ça va changer de target. Et là, vous êtes prêts? Et là. Oh non, il y en reste encore un. Ok, c'est bon, on peut améliorer 10K. Non mais attends, mais quoi, il a encore une compétence? Ça s'arrête jamais, il est déjà à 3K damage là. Ok, c'est parti, on améliore. Et ok, c'est bon, on a enfin atteint les max stats. Donc 11 upgrades. Et voilà pour un petit niveau 3. Bon, forcément, plus on va le monter en level, plus il va faire des giga damage. Ok, très bien. Et ben maintenant, c'est parti les gars. Go faire des open pour la prochaine banner dans 4 minutes. Peu importe qui ça va être, je vais open. Je vais dépenser mes 5 derniers 1000 gemmes. Parti, j'ai un livre, on a fini, on est en écran de chargement et je me suis même pas fait spoil du coup sur la banner. Il est vraiment 9h pile les gars, prêt à faire ma nouvelle open et je crois qu'il est pas mal, je l'ai vu dans des tier list les gars, je crois qu'il est vraiment pas mal. Donc en vrai, je crois que j'ai plutôt de la... Ouais, ça commence directement légendaire, c'est parti. Ok, Krillin Shiny, ok, après ça nous intéresse pas non plus tant que ça. Par contre, Baggy, ça devient de l'harcèlement à la fin. Oh, Shiny, Sanji et Sukuna. Oh là là, Itadori ou Sukuna. Bah, je sais pas, on a les deux dans la même banner, les gars, en même temps. Un peu compliqué de savoir ça. Et c'est épique, c'est nul, du coup. Effectivement, c'est nul.
OMG, ça repart. On a légendaire instant, les gars. Oh, oh, ok. OMG, Sukuna shiny. Pitié, je l'ai en shiny. Pitié, je l'ai en shiny. Pitié. Non, je l'ai pas en shiny. My dream de l'avoir en shiny, les gars. Mais non, malheureusement, c'est pas de shiny, ok. C'est pas encore pour le moment. Et du coup, où est-ce qu'il est? Que je puisse vite l'équiper, la Sukuna. Ok, il est juste ici. On peut l'équiper. Et là, du coup, on a notre petit Sukuna. Oh là 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 là. Oui, 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 oui. C'est parti. Nouveau infini. Attendez. On va utiliser ma petite nourriture sur lui, là, pour lui faire passer quelques levels. Oh, 10 levels. C'est nice. Allez, c'est parti. On a les gold pour le poser. Ça le pose directement. Et juste ici. Ok. Bah, juste, il dépop, littéralement. C'est petit claquement de doigts. C'est despawné. Et toi, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Despawn. Allez, Sukuna, nickel, voilà. Allez, je pose toutes mes bulles là. Et j'ai vu avec Garp que ça coûtait super cher les multicalls. Donc j'imagine que lui aussi, il va pas déroger à la règle et qu'il va coûter plus que très cher. Oh, trop stylé, il saigne, regardez les gars. Oh, il a full signé, il a pris au moins 30. Oh, il doit prendre 10% des damage. Ouais, je pense que ça doit être ça. Il a dû prendre 24 de damage. Ah, ça doit être ça. Oh là là, mais trop stylé ça. Et là, mes Bulma sont presque max. Ouais, il est quand même stylé, hein, ce petit Sukuna en mode no copyright. Parce que dans mes souvenirs, les tatouages sont pas exactement posés comme ça. Mais bref, très bien. Soit, les gars, c'est parti. Go press upgrade. 1500. Ok, c'est parti directement. Première compétence. Cleave Slam. Ok. Plus gros cercle à eux. Allez, fais-moi rêver. Fais-moi rêver, mon pote. Fais-moi rêver. Vas-y, fais tout exploser. Effectivement, il fait tout exploser. Ok, 1200 de damage, du coup. Bam, on améliore. Cleave Barrage. Allez, refais-moi rêver, bro. Je vais être heureux, là. Ok, encore plus d'explosions. J'adore ça, les explosions. Allez, hop, on améliore, là. Il est déjà 2k damage, en vrai. Et c'est vraiment pas mal, là. Oh, regardez, il y a le boss juste ici. Du coup, attendez. Normalement, elle va prendre 200 de damage en plus. On va voir. Attends, ouais, je sais pas trop comment calculer, mais ouais, j'ai l'impression que c'est plus ou moins 10-15% des damage max. Ensuite, du coup, 6500, hop là. Ah, c'est une nouvelle compétence là, je crois, les gars. Je crois qu'on va avoir le droit à une nouvelle compétence. Ok, par contre, c'est toujours dans le même délire, je serais un peu déçu, mais peut-être autre chose. Peut-être. Oh, oh, c'est quoi? Oh, c'est quoi? Oh oui! Oui, c'est la flèche de feu contre Jogo! Oh, ok, j'adore! Let's go, il fait la flèche de feu en 10 secondes avant d'attaquer. Ok, là, il se prépare. Oh, la flèche de feu! Et là, boum! Aïe 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 aïe, oh ça j'aime trop. Il a du coup 2700 de damage. Ok, on réaméliore. Et là, Flame Arrow. Bah, il a déjà la Flame Arrow, le frérot là. Et là, boum. Ok, vas-y, on fait ta nouvelle compétence. Du coup, là, nouvelle compétence. Par contre, ouais, ils avancent bien là. Faut que je fasse un peu gaffe. Hein? Il a fait quoi? Attends. Ah, ok, oui, c'est encore la flamme. Et là. Oh. Hein? Bah attends, mais ouais, wow. Ah oui, sacré flamme. Ah oui, carrément, là, ils prennent feu maintenant. Ah, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais on peut poser 3 gardes. Et pour Sukuna, bah je sais pas, on va essayer d'en poser le max. Oh, mais d'ailleurs, il y a le fameux boss là. Mais lui, il va se faire fumer. Il va être poulet rôti, les gars. Vous êtes prêts à voir le poulet rôti arriver? C'est parti. Et là, bam. Oh là là, tweet 290. Il crame le frérot, il s'est fait one-tap. Et là, du coup, un Sukuna, deux Sukuna, trois Sukuna, et la fin. Effectivement, on peut en poser que 3 de petits Sukuna. Ensuite, prochaine compétence, 10500. Et je pense que c'est probablement la dernière compétence qu'il va pouvoir obtenir. Vous êtes prêts? On va pouvoir l'améliorer. Et c'est pas la dernière. Ok, très bien. Peut-être celle-là, c'est véritablement la dernière. Comme du coup, Garp, il a peut-être que 11 upgrades. Peut-être que, j'ai dit. Peut-être que. Comment ça? Que 11 upgrades, les gars, c'est déjà vraiment pas mal. Et il a aussi une Evo. Mais bon, je suis trop pauvre encore sur le jeu, les gars, pour pouvoir Evo des persos. Et là. Oh oui, on arrive à la dernière compétence. 5000 de damage toutes les 11 secondes, 26 de range. Ok, le bro Sukuna. Attends, comment tu t'appelles dans le jeu? Curse Prince. Voilà, Curse Prince. En vrai, il est chaud, les gars. Et en vrai, est-ce que vous êtes pas chaud? On rattend une heure et on refait des open pour avoir le prochain mythical. Je sais pas ce que ça va être, mais je veux absolument dépenser tous mes gemmes, les gars. Donc, c'est quoi? On se retrouve dans une heure pour refaire la prochaine banner. Et si c'est garde, bah, on va en rattendre une autre. Il est à présent 10h. Il est l'heure de faire une nouvelle open, les gars. Donc, je vais nous dire, c'est parti. Hop là, on remet du son. Est-ce que c'est garde? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a déjà? Oh, Sasuke. Ok, c'est parti, les gars. Sasuke, est-ce qu'on va réussir? Ah là, mais non. Non, mais c'est même pas. Mais c'est même plus drôle, les gars. First try, là, on l'a, Sasuke. Mais il va falloir repousser encore d'une open. Ah, c'est vraiment n'importe quoi. Ok, on a Naruto, et du coup, Sasuke ici. Oh, on a déjà un petit passif. Ok, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est quoi, ma luck? What the fuck? Eh ben, allez, on a Sasuke en plus, les gars. C'est équipé. On a à présent 3 mythicals, hein. Ma collection fait que d'augmenter. C'est parti. On est arrivé, du coup, dans notre petit infini, les gars. Et il va être l'heure, du coup, de tester notre cher Sasuke. Voir
voir qu'est-ce que ça a donné. Ok, premier skip room, on attend le second, comme ça on va pouvoir le poser juste ici. Ok, très hâte de voir qu'est-ce que ça donne les gars. Bon, comme vous savez du coup j'ai aucune idée de ce qu'il donne. Ok, c'est parti, on le pose directement. Là, oh, un matériau. Ok, incroyable, il brûle au fur et à mesure. Ok, j'aime bien, 182 000 de damage. Il fait un petit peu moins que les autres, j'ai l'impression, mais il fait quand même des petits damage. Oh, il est en rouge comme ça. Je ne sais pas trop pourquoi il est en rouge, mais ok, très bien, il est en rouge. Ok, c'est bon, j'ai max toutes mes bulmas, ce qui me donne du coup suffisamment d'argent pour un peu plus me concentrer sur Sasuke. Du coup, 182, on passe à 460. Et là, nouvelle compétence. Attends, déjà, je fais celle-là comme ça. Là, ça me met pas trop. Hein? Une compétence. Et attends, mais déjà, hop là, un peu plus de range. T'en refais ? Ah, ok, il fait un Chidori. Ok, je ne le voyais vraiment pas. Après, Micro Mine. Ok, vas-y, là, ça va être quoi ? Micro Mine ! Oh, my bad ! Ok, le Susanoo est déjà sorti. Ça, j'aime bien, les gars. Là, boum ! Oh, les petits damage. Ok, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, 4000 la prochaine. Après, Grace of the Abyss. Ok, on a un big cercle AOE, là, comme ça. Et c'est quoi, là ? Attends, on fait là. J'ai pas eu le temps de l'avoir, là. J'ai vu le birk, le Susanoo. Ok, il balance la flèche. Ok, très bien. Ensuite, du coup, là, il est à 1400. Il passe à 1700. Ensuite, 7600. Stormfog Avok. Ok, très bien, c'est parti. Ou Avok, plutôt. Ouais, plus Avok. Et là... Et là, fais-moi rêver. Ah, un orage. Un orage venu tout droit du ciel. Ok, non. Oh, oh, c'est le Cedron Bull, les gars. Je l'ai reconnu. C'est le Cedron Bull. Ok, 8200. Et après, là, j'imagine que ça va être son amélioration maximum à 9500. Et bah, Sasuke est moins fort que Garp et Sukuna. Hein. Pour le moment, les deux sont quand même beaucoup plus forts que lui. Ouais, c'est vrai qu'il reste que level 3. Mais Garp aussi était que level 3. Et pourtant, il était dans mes souvenirs un peu plus fort. Et là, boum, ouais, effectivement, il est level max, 3000 de stats. Toutes les 10 secondes, 23 de rien, petit cercle là-haut, ouais, c'est pas mal, mais voyons voir à côté de Garp. Ok, Garp est à présent max, et je voyais une plus grosse différence, mais en fait, pas tant que ça, hein. 3200, et là, 3600, et ben... Oh, il a 10 de range en plus, autant... Non, il a une seconde de moins, là. Mais en termes de cercle AOE, ça donne ça pour ça. C'est le cercle AOE de Garp est quand même un peu plus grand. Surtout, il a énormément plus de range, le cher amigo Garp. Ok, ouais, c'est... Il y a quand même une big différence sur ça. Ok, très bien. Bah, finissons l'infini, on se retrouve dans une heure. De retour, nouvelle bannière, donc nouvelle open, les gars. Ça part, nous avons Skull Warrior. Skull Warrior, plutôt, à obtenir. Ok, légendaire directement, Clay Shiny. Ok, c'est cool, le pied, machin. Epic, ah, ok, c'est Sasuke. Et, ok, nous avons elle. Je sais pas trop qui est cette personne, mais très bien. Ok, maintenant, Epic. Ok, on l'a pas eu directement dans le Mythical. Un petit peu moins de chance, étonnant. Je pense pas, quand même, c'est un peu mérité. C'est un peu trop de chance. Une rare, quoi. Et c'est reparti. Ok, Epic. D'ailleurs, Chichi m'a donné une petite info que, apparemment, la légendaire donne de l'argent. Ah, bah, mon lol qui se raffiche. OMG, et là, boum. Mais non, c'est Epic. Légendaire plutôt. Ok, il me reste plus que 1400 points, les gars. Oh, encore légendaire. Ok. Alors, peut-être qu'on va pas avoir notre premier mythical. Et là, on va enfin arriver à la fin de nos gemmes. OMG. Ok, les gars, c'est ma dernière. Et c'est un rare. Ok, bah, malheureusement, on n'aura pas eu. Il a que des rares dans celle-là. Oh là là, c'est négatif. Et là, malheureusement, je ne peux pas faire plus d'open, les gars. J'ai pas de quête à aller récupérer. J'ai absolument rien. On arrive juste enfin au terme de cette vidéo. En combien, 13 000 gemmes, j'ai réussi à avoir 3 mythicals. Donc, autant vous dire que je suis plutôt très, très content de cette vidéo. Elle a été très fructifiante, les gars. J'ai eu beaucoup, beaucoup de choses. Et sur ce, maintenant, les gars, je viens de vous dire qu'on arrive au terme. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était CRB. À la fois prochaine. Ciao tout le monde, les gars. Bye bye.